Un peu en arrière pour rappeler ce qui s'est passé la saison dernière. Victoire en finale de la Coupe d'Algérie, juste après un score cinglant, le club 7-0 contre le CRB. Limogeage d'un entraîneur, et puis Hadlam, début de la saison avec un entraîneur qui fait quelques matchs à la Coupe de la CAF, et puis un autre limogeage. Aujourd'hui, Hadj, vous qui avez joué à la GSK, est-ce que vous ne pensez pas que le club est vraiment en crise? Écoute, déjà que les mauvais résultats, les racks que l'on t'a allé en douk, c'est pas propre à la GSK aussi. Hein. L'année passée, la relégation était la dernière journée. C'est pas leur habitude. C'est vrai que dans la Coupe d'Algérie, oui, il faut le dire, le tirage, je pense qu'ils étaient en leur faveur. Ils ont reçu à la 3 matchs fait Tizi Ouzou. N'empêche qu'ils ont eu la Coupe d'Algérie. Je pense qu'il était mérité, vu le parcours leader. Mais la saison, c'est vraiment une des saisons noires de l'histoire de la GSK. Concernant maintenant la Coupe de la CAF, je n'imaginais un jour que le club va vivre une situation pareille, c'est-à-dire perdre pratiquement les matchs de la Coupe d'Afrique. Et on sait que c'est le club qui a gagné ses coupes d'Afrique contre parenthèse. Trois consécutives de la CAF. Voilà, trois coupes de la CAF, une des coupes des coupes à l'époque et puis deux Ligues des Champions. C'est vrai que la consommation des entraîneurs aussi, ça devient une habitude dans ce club où l'année passée, ils ont commencé avec le Suisse Hadak Geiger. Juste après, Dja Belhout. Il a eu la Coupe d'Algérie quand même. Et puis, il a été remercié. Début de saison, Dja, un ancien qui est revenu, alors qu'on sait comment il est parti. Hein, Moussa Saïb, il est parti du club sur de mauvaises notes. Aoudou Diabouf, début de saison, on lui dit que la Coupe de la CAF, ce n'est pas un objectif pour le club. Quelques matchs après, il a fait les matchs de l'Arhom. Même, ils ont contesté la façon de travailler de Moussa Saïb. C'est vrai qu'on peut dire que c'est plus la GSK d'avant. Justement, je vais vous poser une autre question. Madame Bien répondit le Hadia, juste en deux mots. Deux mots, allez-y, allez-y. Je ne suis pas d'accord que Koulouli, il y a la fatigue. Où on est des professionnels, soi-disant, pour moi, ce n'est pas le professionnel, mais puisque ce que le professionnel, on est des professionnels. Un professionnel, c'est quoi? Clap, trois. Trois titres à la fois, quatre titres, cinq, Barça, Tlaib, six titres à la fois. Mais c'est à l'entraîneur, avec la direction du club, de gérer les joueurs et de mettre les moyens pour que les joueurs se reposent, trouvent le moment de repos. Ali, il n'existe pas le professionnalisme en Algérie, Ali. Est-ce que le club, est-ce qu'un club en Algérie, il est doté de moyens de récupération, Ali? اي كلوب في الجزائر عنده صاحب بيان دي ما عندكش ما لا عنده الحق ما يلعبش الشامبيون ما يلعبش كوب دو لاكاف يريح في الحومه اي قلت لك العب قدام دارك علي ما تروحش اللي تبعد علي ريبوندي لو سوي دو فاتيك